ouais, c'est bien ça. Hop là, on relance notre petit épisode sur Hellcard Book of Demons, ou Book of Demons Hellcard, je sais, je crois que c'est dans ce sens-là plutôt. J'espère que tout le monde va bien, on est toujours avec Gelden et Zikino, on est toujours dans notre petit run. Salut la BOD. Salut, salut. Et je crois qu'on va se faire encore un boss, hein. Ouais. Ouais. T'as upgrade des cartes, alors attends, je vais prendre l'autre du coup, où on peut avoir des nouvelles cartes, ça sera plus... Ouais. Parce que l'autre est pas ouf. J'aime bien, enfin après upgrader des cartes deux fois ça peut être pas mal hein. Ouais, peut-être deux upgrades. Les nouvelles cartes, je pense qu'on commence à en avoir suffisamment dans nos decks là. Voilà, et du coup moi j'ai pas le choix, c'est à une forge, un décor. Le Spectral Whooper. Peut-être que tu vas prendre l'autre du coup. Ah oui, du coup je vais peut-être prendre l'autre. Toc, voilà, ça, on est bien. De toute façon moi j'ai pas de thune. Alors, un nouveau boss. Oh la vache. Ça commence à être violent. À partir de l'étage 5, clairement, il y a la difficulté augmente. Hein. Alors, on a le Spectral Whooper. Oh, ouais, oh alors, la méditation à zéro. Oh, c'est bon ça. C'est bon, ça. J'avoue. Moi, je peux. Une petite camaraderie et une autre. Je reconnais ce build. Et je peux me soigner, mais par contre la carte elle est défaussée si je me soigne pas maintenant le Healing Blood. Hein. Non, je crois qu'elle est. Elle est défaussée, elle est exhauste au moment où tu l'utilises. Tu peux l'utiliser qu'une fois. Alors. Enfin, si je comprends bien Healing Blood. Comment tu prends cher le signe? Bah en même temps, il y a du coup. Alors après j'ai un Mighty Blow qui peut éventuellement Ouais mais ça fait que deux. Ça or ils ont trois plays. Alors moi j'ai cette zone là, alors attendez. Ah bah oui, c'est toi qui prends cher. À mon avis c'est mieux. Ouais, j'ai cette zone là, je pourrais peut-être attaquer comme ça. Ouais. Et du coup ça les tue tous à 3. Ah oui, c'est nettement mieux. Voilà. Ça fait le taf. Ça fait le taf. J'ai. Non, coup, est-ce qu'il y a d'autres les ouais. Deux, il en reste un là. Ah alors faut faire gaffe, il y en a un qui fait des dégâts de zone. Ah oui, je me disais qui c'est qui attaque encore, c'est lui là. Ouais. Le Puffy Corse. Alors, je peux... Il attaque je que peux... de loin. Ah, il est rotten en plus, donc faut se protéger. Ouais, alors je peux lui mettre deux marques, éventuellement. Désolé, c'est moi qui ai lancé. Ah, ok. Mais de toute façon, je pouvais pas choisir spécifiquement. Par contre, je peux rajouter deux marques après. J'ai deux cartes pour ajouter des marques. Mais si je rajoute des marques. Bah, vu que de toute façon, il n'y a qu'un seul ennemi qui peut être marqué à un instant T. Après, sinon, je peux tuer encore un ennemi à 3, mais c'est tout. Je peux faire 4 dommages, mais c'est au corps à corps. Moi, attends, je. Il te reste quoi? Il te reste 2 de mana, Zikino? Ouais. J'ai deux cartes comme ça, donc si tu le marques celui qui fait 3 de dégâts au groupe, moi, tu t'es dit que tu mets combien de marques toi? Moi je peux en mettre 2 mais ça me coûte 2 de mana. Ok, on peut atteindre 6 de marques dessus. Ouais mais du si coup, on c'est met tout. Sur le, un mec qui est pas intéressant quoi, enfin c'est toujours bien de le tuer mais... C'est pas lui qui nous fait des dégâts. Si il nous fait 3 de dégâts à tout le monde. Ah non, parce qu'il y a déjà une marque sur le Looney Ghost là. Oui, ça enlève la marque du Looney Ghost, mais c'est pas grave. Ah, tu peux choisir à qui tu mets la marque, d'accord. Okay, moi je peux choisir. Si moi, lui, il peut choisir, moi pas. Mais... Ah oui, donc toi tu choisis, tu mets la marque sur le bon, et après, du coup, vu que c'est lui qui est marqué, tous les marques supplémentaires, ça sera sur lui. C'est ça l'idée. Mais bon, ça marchera pas pour le one shot, je pense. Alors, j'ai pas l'impression. Non, on pourra pas le one shot, mais on pourra le faire faire un two shot dessus, je pense. Moi, je vais faire. Je vais faire ça. Vas-y, envoie ton. Alors, est-ce que j'envoie les deux ou un seul? Parce les que deux. Après, j'ai plus de mana. Attends. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais l'attaquer une fois et toi, tu le termineras. Je vais utiliser ça. Hop.
Tac. Là, moi, je lui fais 5. Prends 1. Ah, ouais, là, mais là, je lui fais que 4. Bah, moi, éventuellement, je peux finir. Hein. Ouais. Je peux faire un dommage à distance. Et, ce qui est enfin, deux, en l'occurrence. C'est qu'on prend des petits pouillèmes de dégâts, quoi. Ouais. Vaut mieux se prendre un pouillème de dégâts que 3. Ouais. Pas faux. En gros. Ouais. Bah vas-y, fais-lui un le signe si tu sais pas quoi. T'as quoi de... Ah bah sinon fais ton mighty. Que moi là ça bah, j'ai mon mighty, je pense que je vais l'utiliser quelque part, ouais, je pense ici probablement. Ouais, et puis fais un de dégâts ouais, sur lui. Je perds ça. Ouais. Et après je fais un peu de dégâts là-bas. Ah bah si. Ah oui, c'était une autre possibilité. Des dégâts à distance. Ouais. Bah, avec la marque, moi, c'est vrai que ça fait super mal, du coup. Je veux bien que tu termines le squelette, voilà. Parfait. Et du alors, moi, et coup, il reste lui. Du coup, ce serait lui à tuer, là. Ouais. Ah, mais ça, je peux pas. Je peux faire un dégât. Vas-y, c'est bon. Alors, tac. Vas-y. Enjoy. Et, bon, alors, je peux faire du... Ouais, bon, je peux marquer un ennemi au pif, là, il n'y a plus que ça. Ouais. Ouais, ça sera toujours ça de prix, hein. Parce que le bloc, on s'en fout et j'ai pas 2 de mana. Donc... Ah bah, il va mourir. Il va mourir tout seul. Moi, j'ai un kit qui me sert à rien. C'est dommage quand même. On est pas mal là. Alors, le boss, on peut lui faire que 4 dégâts à la fois. Ouais. Hein, donc les marques sont moins efficaces. Oh la vache, qu'est-ce qu'il a invoqué? Il est fat. Mais il attaque seulement de near range, donc tu vois, il lui faut quoi qu'il arrive un tour pour ouais, attaquer au sol. Ah non, mais t'as peut-être raison. Après... Enfin, ça pique quand même, hein. Donc attention, hein, les ghosts, les loon ghosts, celui qui les tue infligera ensuite un point de dégâts en moins. Donc c'est à prendre en compte... Ah, c'est ça la négative influence, là ouais. Alors c'est lequel qui est marqué? Non, il est mort celui qui est marqué. Il est mort celui qui est mort. Marqué. Ouais. Alors moi je peux faire 8 de dégâts. Pour info. Moi je peux tuer lui en un coup en faisant 3 de dégâts. Ah oui, ce truc là. Ouais, mais elle s'améliore très fort cette carte. Ouais. Bah je me demandais si c'était durable ou pas, ouais. Mais... Oui, c'est durable. Ah ouais. Ça reste dans le combat, mais pas d'étage en étage. Mais du coup, ouais, je peux tuer celui-là. Et hop. Moi, du coup, ça va bien avec les petits decks. J'ai 8 de dégâts gratos. Hein. Sauf que je peux pas tirer sur l'archer squelette qui est tout derrière. Moi, j'ai un freeze. Ou alors sinon... Parce que là, ouais, ils font 6 de dégâts, ces enfoirés de Lounil. Hein. J'ai encore une marque aléatoire. Alors moi je peux tuer celui qui est sur moi. Tac. Ouais, celui-là je peux le tuer. Allez, tac. Ça ne coûte rien. Attends, je peux le finir si tu veux pour éviter. Bah ah, fais sur celui qui est sur toi. Ouais, mais je fais que 2. Merde, je fais. Je fais moi, je vais dégâts, faire un point de moins. Alors moi, je peux en freeze un des deux, mais pas les deux. Alors freeze celui qui est au fond, parce que... Ah, ou attends. Ah, merde, putain, j'ai mal joué. Ouais, c'est mal joué. C'est pas grave, hein. J'ai zappé. Hein. Si, non, c'est bon. Bah, je vais le terminer. Ça va me prendre 2 de mana au lieu de 1. C'est un peu con. Attends, je vais... Tac. Attends, ça bon. Hop. Ouais, désolé. Précipite pas. Tout va bien, tout va bien. Je peux encore faire. Lui, je peux le freeze, comme ça déjà il n'y a plus de soucis. Bah, ouais, ou alors je lui fais 2 et derrière quelqu'un finit. Non, si, vas-y, bah, tu pourras le finir. Hop. Vas-y, le signe, inflige des dégâts, moi je fais ça. Et. Vas-y, et tu fais le terminer. Voilà. Sauf et là, j'ai eu une rune qui. Ah, mais du coup, elle. Attends, c'est quoi c'est? T'es cursed. Ouais, du coup maintenant je fais plus que 2 de dégâts. Est-ce que je la fais quand même ou pas? Alors ça peut bloquer le boss à la limite. Ouais, tu les peux le faire. Les 4 du haut ou les 4 du bas comme vous voulez. Les 4 du haut plutôt. Les 4 du haut. Non, du bas, du... enfin ceux-là. Du bas parce que après t'as les deux là qui vont me revenir dessus encore à corps après. Ouais, ceux-là on est d'accord.
Ah, du coup, c'est. Ah oui, alors je sais pas dans quel. Oui, non, parce que le haut c'était en incluant ceux-là. Mmh. En incluant les, gauche, les deux là au-dessus. D'accord, c'est à gauche. Oui. Ok. Je sais pas comment. Et voilà. Turn. Si, je crois qu'on a le même. Je pense que c'est le même angle. Le même cercle, oui, le vert en haut, le rouge en bas à droite et le bleu en bas à gauche. J'ai la même chose que le signe. Il me semble que j'avais la même chose la dernière fois. Alors, moi, je n'ai plus que 2 de mana. Alors, je peux terminer le... Je termine le... Alors, attends. Moi, je peux terminer celui qui est loin, là-bas. Ah bah Kratos. Alors, vas-y. Vas-y. Je peux faire 3 dégâts en zone. Ouais, parce que là, ça va piquer un peu de mon côté, le 12, là. Je peux redonner alors, une marque. Je vais faire ça, mais ça me bouffe toute ma mana. Ouais, bah à la limite, ça les fait. Attends, ça, après, ouais. Oui, si on commence à prendre beaucoup de boucliers, pourquoi pas. Je peux faire 5 de dommages, mais t'as un... J'ai un truc pour 2, là, qui pour finir à 2. Ok, alors, bon, attends. Je vais, alors, faites vais... gaffe de pas choper la malédiction. Ouais. Ah oui. Après, j'ai ça qui peut faire 3 dégâts. Moi, je peux. Peut-être sur lui. Je fais des dégâts 2 par 2, moi. Ah, sur lui, c'est pas mal. Ça le laisse à 1. Sur lequel? Sur lui, là? Sur celui qui est marqué. Celui-là? Ah non, celui qui est marqué. Ah, ah oui, il y a une marque, là. Alors, après, non, ça le laisse à 1. Dans ce cas-là, moi je lui fais 4. Ouais, bah vas-y, je lui fais 2 après pour le finir. Mais je ferai ça à la fin. Ouais, faut faire à la fin. Ouais, je peux aussi finir, mais pareil, à la fin. Attends, du coup, je peux faire 5 sur lui. Ah. 2 sur lui. La charge. Alors, moi j'ai encore. Je vais en marquer un au pif, je pense. Comme ça, on voit. Ouais, c'est le boss. Bah, dommage. Bah, ou pas. Enfin, oui, ça se permettra toujours de faire les 4 max. Hein, mais... Je vais faire. Alors, je sais pas si je lightning comme ça. Alors, ce que tu peux faire. Je crois que même avec la malédiction, t'en fiches toujours minimum 1. Donc. Ah, oui, sauf que. Parce que moi, je peux faire... Sinon, je peux faire lui et infliger minimum 1, comme tu dis, en rebond, quoi. Bah, vaut mieux faire, je pense, d'abord le lightning où tu fais 3 sur celui-là, comme ça tu le mets à 1. Et derrière, il en restera 2 à 1 et vous reste chacun 1 de mana, donc vous pourrez au moins les tuer, quoi. Ouais. Non, ça fait 2... Pardon, ça fait 2, il te faut 2 de mana pour ça, j'avais pas vu. Alors, bah, c'est... Du coup, on va tuer 1. J'ai tapé. Toi, il te reste. Il me reste plus de mana. 38 PV, moi, hein, donc tu peux. C'est pas grave. Non, non, mais. Je les termine. Ah oui, ça coûte 0 ton truc. Moi, ça me coûte 0. Et ensuite, il me reste 1. Tac. Ah non, ça fait 0. Et bah voilà. Non, c'est un échec. On aura testé, on aura vu qu'on pouvait faire 0 de dégâts. C'est ça. Ouais. J'aurais peut-être pas dû prendre le bouclier au début, comme ça j'aurais pu faire les dégâts à la fin. Ah ouais, bah tu vois, il a invoqué un truc en Nir qui peut attaquer en Nir, donc non, effectivement. Ouais. Bon bah j'ai que du... Ah non, c'est bon, j'ai pu piocher la petite épée, 8 de dommage. Si ça tue, ça rajoute 5. Bah tu... Alors fais-le peut-être pas en premier, mais tu peux tuer celui à 4 sans problème quoi. Ouais, et si on peut, si vous pouvez descendre sinon un des ceux à 20 là, éventuellement. Utilise pas ton clou. Ouais, le clou m'a pas l'air intéressant. Le lightning ici le met à 1, lui il a 2. Ça me paraît pas mal. Je peux faire 8 de dégâts sur le boss moi. Non, tu peux faire que 4 max. Oui, non, enfin 4 puis 4. Ah, 4 puis 4. Ah bah du coup, oui, pourquoi pas. J'ai envie de me débarrasser un peu de ça. Je peux même en fait lui faire 12 de dégâts. Hop, je fais ça et il me reste encore ça. Je peux terminer. Ça serait bien de se débarrasser d'un des ceux devant. Ouais. Je peux m'en débarrasser. Faudrait tuer au moins, ouais, voilà. Au moins, ah, après, je peux utiliser ma carte, hein, c'est pas très grave. Tu
tu fais 2 sur lui. Je vais faire. Attends, je vais faire 2 sur lui. 2 sur lui. Et 2 sur lui. Ok. C'est quoi, j'aurais pu. Non, c'est pas ce que je voulais faire, tant pis. Bah, du coup, je peux faire soit 8 de dégâts sur 1, soit tuer le dernier Looney. Ouais, non, mais ce truc-là, au final, ça fait 0 de dégâts. C'est pas... Tu vas faire 0. Je peux augmenter les cartes du boss, du coup. Les marques, comme ça, non, c'est quoi ça qu'il va, arrive. On ne jamais plus de 4. Ouais. Ouais, mais attends. Là, je fais 0 de dégâts parce que j'ai un moins 1. Et si j'attaque le boss, je fais quand même 2. Du coup, s'il a plus de marques. Ouais, ouais, après, ah, peut-être que ouais, je peux juste l'attaquer. Ouais, s'il a plus 2, de marques, théoriquement, ça. Ouais, ce sera toujours 2 de plus. Et allez. J'avais pas. Ouais. Tu peux pas lui faire. Non, non, j'ai plus de mana. Une petite attaque, Lucine, sur le boss. Je peux faire 4. Ah, ouais, ah non, t'as que ça. J'ai que ça comme carte d'attaque, quoi. Sinon, j'ai des boucliers. Ouais. Ah, je te dirais bien de. Bah, j'ai bien envie de DPS un peu. D'attaquer. Ouais. Ou de l'améliorer ta carte. Comme c'est un peu le truc, mais je peux finir lui mais pour l'améliorer. Mais bon, après, faut que je la repioche pour que ça soit utile. Et nous, ça sert à rien contre le boss. Donc. Je pense que DPS c'est plus adéquat. Ouais, je suis d'accord. Comme tu veux. Le truc à 1, tu vas sûrement piocher un truc pour le gérer au prochain tour. Oui, il y a ça. Gratuitement. Bon, alors je peux freeze. Je peux freeze même en zone. Je peux faire une grosse attaque de zone là, comme ça. Qui va tuer tout le monde. Je peux freeze tout le monde sauf celui du bas et celui du bas en solo. Je peux faire ça à moi sinon. Et j'ai plein d'attaques. Je peux faire 10 de dégâts en. Ah, je peux tous les toucher. T'as tué le boss. Okay. Ah. Oui. Bon bah, du coup, je fais ça. C'est quoi? J'ai pas moyen de me protéger. Comme carte, par contre. Tu veux pas attaquer plutôt celui qui est. Je le tuerai pas. Ouais, je sais, mais bon. Après, je peux friser l'autre. Hein. Ah bah, si tu peux le friser, ouais, je veux bien. Hein. Et m'évite de prendre 5 de dégâts. Oui. Je le termine là. Parce que là, on a plus besoin de bloc. Et du coup. Un max de dégâts, et on est bien. Et au prochain tour, c'est fini. Fait 10 armes. Ah, il empêche des héros de prendre des blocs de. Ok, d'accord. Je sais pas, j'ai pas regardé. Bah, justement, je regardais ce qu'il faisait. Oh. Equilibrium, all heroes gain 2 de mana and draw 2 cartes. Oh. Ah, c'est bien ça. Oh putain. Ce sont les autres, je les ai déjà. What the fuck. Alors putain. Les cartes vertes, j'ai un peu de mal avec leur usage. Ils disent que c'est des buffs permanents. Oui. C'est des buffs pour le combat. Pas permanent, mais pour le combat. Oui, enfin pour le combat. Parce que là, j'en ai une, par exemple, qui donne 2 de blocs à tous les héros à chaque fois que je tue un monstre. Mais son coût augmente de 1 à chaque fois que je l'utilise. Donc je peux utiliser plusieurs fois par combat. Oui. Mais à partir du moment où je l'ai utilisé une fois, ça dure tout le combat. Ouais. Oui. Et d'accord. Du coup, tu l'utilises une deuxième fois, et si tu tues un ennemi, ça, au lieu de donner 2 points d'armure, ça donne 4. Ouais. D'accord, ok. Ouais, je l'avais, je crois que c'est. Oui, tu l'avais. C'était pas mal. Oui. C'était pas si mal. Le point, c'est que tu tuais peu. Oui, c'était aussi ça. Après, quand t'avais des gros dégâts de zone, justement, quand j'ai réussi à en avoir. C'est une carte qui semble bien sur le papier, mais j'arrive pas à être sûr que ce soit vraiment efficace. Un truc qui inflige deux points de dégâts à tous les monstres qui sont à distance, et un point de dégâts à tous les monstres qui sont à proximité. Pour toutes les flèches que j'ai dans ma main, sachant que j'ai pas des masses de flèches, je défausse toutes mes flèches et je chope fatigué qui me fait perdre un point de mana au tour suivant. T'es sûr que ça défausse tes flèches? Oui, il y a écrit Discard All Arrows. Ah oui. Ouais, c'est un genre de pluie de flèches, quoi, en gros. Tu tires toutes tes flèches d'un coup sur tous les ennemis, quoi.
Mais j'arrive pas à être sûr que ce soit vraiment efficace en fait. Excusez-moi, je m'absente juste deux secondes pendant que vous faites vos choix. Je vais plutôt prendre celui-là. Ouais. Tant pis. C'est une carte rare, c'est déjà ça. Moi, ouais, vas-y, hein, je vais prendre une comète et ça. Il y a une carte légendaire, je crois, vu qu'elle est dorée. Ah. Ouais, c'est ça. Bon, on va échanger. Pif. J'ai fait mes choix. Give the block to all heroes. Allez, on picole. Oui, bah non, je veux pas améliorer cette carte là, en tout cas pas comme ça. Alors fais gaffe parce que si tu annules, tu perds ta gemme. Ouais, mais c'est strictement inférieur l'amélioration. Alors c'est que c'était une transformation. C'est une transformation. Voilà, c'est soit transformé, soit. Donc du coup, c'est un effet qui est différent en théorie. Oui, parce que l'amélioration, normalement, c'est forcément un bonus. Quoi. Ouais. Et là, je peux transformer mon freeze cible unique qui coûte 1 en freeze de zone, mais qui coûte 2. Pareil, c'est pas hyper intéressant, j'ai déjà un freeze de zone qui attaque. Ouais. À mon avis, c'est pas. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu 2. Alors, et donc. Je pense que je vais prendre les hommes chefs parce que les Fire Imps, ils sont quand même casse-couilles. On aura la Bolt. Les chefs. Ah, moi, j'ai le truc qui fait des. La bibliothèque hein. Avec des squelettos. Qui posent des. Qui nous maudissent. Coatman, ouais, ça va. Les hommes chèvres, ils sont pas trop chiants. C'est marrant. Ils reculent, ils t'attaquent de loin et ils viennent au corps à corps en fait. Ils chargent en fait. Ils chargent quoi. C'est ça, sinon, c'est des imps moi, qui me permettent de nous soigner à la fin. Les imps, ils sont chiants, je trouve. J'hésite entre la bibliothèque ou la forge. Ou la forge. Ah, c'est un boss du coup que t'as déjà, Zikino ? Non, c'est pas. Alors ensuite, le prochain boss, c'est le niveau 8 et on aura tous les trois un boss. Donc il y aura trois boss d'un coup. Ah ouais. C'est un peu compliqué. Large quoi. Hyper large quoi. Trade ou. Non, bah non, les chèvres, allez. Ouais, c'est pas les mêmes chèvres. Ah oui. Mm. Les Goatman et les Battering Ram Goat. Ça va faire mais. Ah, il y a quand même des Fire Imp. Ouais. Alors, Battering Goat attaque seulement de loin. Ok. Ouais, c'est ça. Les Battering Goat, c'est ceux qui chargent. Et les Goatman, c'est des magiques, visiblement. Qui attaquent depuis tous les rangs. Ok. Ah, ouais. Voilà. Bon, alors déjà, on va commencer par la petite camaraderie. Alors, give 2 blocs to all monsters. Oh la vache. Ça pique les fesses. Ouais, j'en marque 1 là. Ouais, c'est chiant. Pif, de toute façon. Alors, si tu marques 1 à 6, le problème c'est qu'on sait pas lequel. Mais de toute façon, ça me coûte 0, donc autant le faire. Ouais. Oui. En plus, c'est un corps à corps, ça veut dire que je peux lui faire 5 du coup. Après, attends. Après, je peux lui augmenter encore un peu. Là, ça me coûte un peu, mais je peux le faire. Ouais, de toute façon, j'ai pas forcément grand chose d'intéressant, donc. Faut quand même faire gaffe qu'on va prendre cher. Hein. Mais... Ouais, mais. Ouais, mais... PV, on peut pas faire grand chose. Hein. J'ai pas des masses d'utiles, j'ai ça. Moi, je peux faire le truc qui donne 2 coups, 2 de bloc à tous les héros si je tue un monstre, mais faut que je tue quelqu'un, quoi. Ouais, il faut que. C'est quoi Tactics ? Non, j'ai ça. Tactics, je peux piocher 2 cartes et gagner 2 blocs. Érudition, 2 blocs de tous les héros. Et plus 1 d'extra pour chaque rune, et du coup ça fait plus 4. Ça fait 4, 5, 6. C'est plus 6 de bouclier. Ouais, c'est pas mal, hein, ça vous protège déjà tous les deux. Ouais, c'est pas mal. Alors, bah non, j'ai mal calculé.
Non, mais j'avais eu la même, ouais, le même doute. C'est 4 au total. Ouais, donc la carte te donne le total, total, pas le total bonus. C'est, à mon avis, c'est, ouais. C'est mal écrit. Mm. One okay, block bon. Extra for each run. Oh, il est pas mal ta dernière carte, Zikino, là. Ouais. Ça veut dire que je pourrais pas le faire. Peut-être avoir sympa, celle-là, même je suis assez pour que tu la fasses, Zikino. Ouais, vu qu'on est un peu quand même dans. Ah, alors j'ai ouais. Typiquement, j'ai un kick qui peut être. Bah non, qui peut servir à rien parce qu'ils sont tous au corps à corps. Bah, ils sont tous à distance, ceux qui font des dégâts. C'est le imp à gauche. Ouais, mais il fait que 1, quoi. Ça me bloquerait tous les dégâts. Je crois. Du coup, je peux, par contre, ce que je peux faire moi, oui. Éventuellement, c'est mettre un masse de bouclier. Parce que je peux activer le Dread qui donne 2 à chaque fois que je tue des monstres et je peux tuer un max de trucs à 4. Là. Petite connerie. Tu peux tuer des trucs à 4 et tu peux faire qu'une seule attaque. Ah, mais non, oui, du coup, t'as plus de. Du coup, j'ai plein de mana, ouais. Eh oui. Alors faut juste faire gaffe au. Alors l'imp, en même temps il fait que 1 point de dégâts là pour l'instant. Bah ouais, c'est pour ça. Si tu le tues, c'est bon. Peut-être pas très très grave. Hop. Voilà. Parce que dans l'autre, du coup, on échange de 1 quoi. Ça m'a pas fait dégâts. Ouais, ça a pas. On a juste chopé. Si on a chopé 2 de bouclier, on en a perdu 1. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Donc du okay. coup, l'un dans l'autre, c'est un gain. Oui. C'est juste toujours toi qui prends cher et je suis pas sûr de pouvoir bien t'aider. Moi j'ai un freeze. Peux alors ça prendre serait... 2 de blocs. Essaye de freeze. Moi je vais me prendre un dégât, c'est pas dramatique. Essaye de freeze le ouais, Goatman là-haut, là où je sais pas comment il s'appelle. Et je peux faire des gros dégâts à celui qui a la marque histoire de l'entamer quoi. T'as de la stamina ? Alors dans ouais. Ce cas-là non, fais sur. C'est uniquement distance proche. Non, c'est pas. Ça peut être n'importe lequel. Alors si c'est n'importe lequel, fais sur celui qui a 10 là. Tu le fais quoi ? Tu le fais. Celui qui a 10, ils ont tous 10 ! Lui, ouais. Lui. Lui. Marc. Sur celui-là ? Non, celui-là. Celui-là. En bas. Qui est tout en bas là. Celui qui attaque. Est-ce que je vais arriver à le terminer? Ah merde, non, je vais pouvoir lui faire que. Toi, après, moi j'ai soit un lightning qui fait 3. Ah oui, bah c'est bon alors. Donc c'est bon. Soit un bouclier pour toute l'équipe. Là, je peux... Tac. Tac. Bah fais ton 3. Fais ton 3. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon. C'est géré. Tu vas prendre plein de dégâts du coup, Melden. Ouais, c'est pas... je m'en remettrai. Ah, j'ai pas vu qu'il y en a un qui se buffait en haut. Donc moi, je peux faire 6 de dégâts. 6 de dégâts. Est-ce que je fais un imp? Bah, les imps, sont... il y a un imp à 3, là, ou un 4, là. Mais je pense après, qu'ils sont pas là, sans qu'ils sont loin. Je vais me faire un ghost. Comme ouais, ça. C'est ça, si t'es 6 de dégâts... Oui, c'est vrai que tu peux te faire un ghost, ouais. Tac. Ça, t'auras pas le malus en plus. Comme ça, j'aurai pas le malus. Et j'ai un kick, est-ce que ça peut être intéressant de faire un kick sur... ça peut faire changer les intentions. Ouais, sur le Goatman, là, qui va foutre de l'armure à tout le monde, peut-être. Bah, il faudrait juste pas qu'il t'attaque à la place, quoi. Ah, tu me diras, en plus c'est toi qui as le soin gratos. Ouais. Ouais non ça l'a pas changé. Bon. Allez. Ah mais le soin gratos a été défaussé, c'est pas ce qu'il me semble. Non non mais tu le récupéreras plus tard. Oui je le récupère. Il est dans ta défausse et tu pourras l'avoir. On se calme là, c'est bon oui. Bon alors il y a un imp proche, bon. Deux, c'est... trois imp proches. Ça va être chiant les. Les deux de blocs. Alors ouais, les deux de blocs ils vont être chiants. Alors j'ai l'épée qui s'améliore, mais je pense pas que je puisse tuer quelqu'un à cause des blocs. Ouais, je suis pour ta zone de glace sur moi. J'ai deux comètes. C'est vrai que. Je l'aime bien ta zone de glace par là. Le petit 18 il fait pas plaisir. Ouais, ouais par là.
D'accord, ça, je pense. Leur bloc il va disparaître au prochain tour. Hein. Oui, oui. Il me reste une charge sur ma gueule. Je vais. Sauf qu'au prochain tour, ils en auront 4 des charges. Attends. Je peux refaire 3 de dégâts dans une zone. Ouais, moi je fais 2 de dégâts, donc de toute façon, avec tous les blocs, ça sert à rien. Donc j'ai bien envie de prendre mon truc qui me donne du bloc bonus. Hein. Permettra de mieux gérer. Et je peux te donner un bloc, Gaelden. Moi j'ai rien pour me protéger. Moi, si je peux en tuer un, ouais, mais après tuer un, ce serait un imp. Je dois pouvoir tuer celui qui est marqué, par contre. Ah, si tu veux, je peux augmenter sa marque. Non, parce que okay. Mon truc, ça fait 2 clockrow. Comme il a 3 de marque, je crois que les. Ça fait 3. Ouais, il est mort, il est mort. Je vais vérifier. Pas qu'il a 2 de défense. Hein. Tac, ah, c'est oui. Bon. Bien joué. Ah oui, t'as raison, il avait 2 de défense. Et du coup, ça m'a redonné. Non, ça m'a pardonné. Pas mal. Je vais faire ça. Je peux faire combien de. Je peux faire. J'avais pas vu que t'avais pris qu'il fallait qu'on trinque. Ouais. Bah du coup, je trinque. Y'a pas de mets qui tiennent. Bah, Canton, quand même, là, y a pas mal de mets là. Hein. Il est con. Mais je vois. Qu'est-ce que tu peux faire encore, Zikino? Soit une attaque de zone à 3, soit finir à 1 ou à 2, soit mettre une marque aléatoire. Enfin, non, j'ai 2 actions dans tout ça. Donc, finir quelqu'un qui a 1 ou 2, ou faire 1 ou 2 dégâts, quoi. Marquer pour 2 ou. Mais je pense que je vais quand même l'utiliser, la zone de comète, mais je sais pas où, à quel moment. On a pas mal de Fire Imp sur la gueule, quoi. Ouais. Bah, tu peux toujours l'utiliser derrière pour commencer à les diminuer un peu. Hein. Alors, sachant que de toute façon, ça va pas les tuer, puisque ils ont tous de la défense. Ah, ils ont ouais, là où ça fait le plus de dégâts, c'est ici, mais ça fait exploser 2 imps. Yep. Mais deux imps ne feront que 1 point de dégâts chacun. Ouais, ouais. C'est pas, et du coup, je peux le mettre ici. Ouais, mais du coup, tu vas prendre 5 et... parce que t'auras plus du tout d'armure. Hein. Ouais. Du coup, derrière, je prendrai 5. Alors, sinon, je peux viser là un peu en bas à droite qui met le imp à 2 PV et après buter le imp. Et j'ai encore un de mana. Et je peux encore faire un de dégâts, je sais pas où. Ou mettre la marque. Alors, tu peux faire une marque à combien? 2, aléatoire. C'est aléatoire. Du coup, on n'en a pas encore. Ouais, c'est moi... celui-là. Attends, non. Ou alors sinon, je fais ça. Non, ok, on va faire ça. Attends, ça me permettra d'éviter de prendre des dégâts. S'il a 3 de marque sur la gueule, moi, je lui fais... Ah, putain, je lui fais que 5. Tu peux lui faire 2 de dégâts plus 3, ça fait 5. Ah, ok. Ouais, donc, je pense que vous pouvez, ouais. Vas-y. Ça passe. Hein. Hop. 5, ouais. 3... Tac. Ah, il avait du bouclier. Tac. J'avais pas calculé. Vas-y, ça, moi. Termine-le. Bah, du coup, je peux même le terminer avec ça, voilà, normalement. Avec ça, tout à fait. Enjoy. Et maintenant, ces trucs-là, je peux pas les... Je peux pas finir, quoi. Ouais, c'est con que tu puisses pas terminer les imps. Ouais, bah fais des dégâts, genre un de ceux qui ont pas d'armure, là. Bah, si, fais les imps. Je peux les terminer comme ça, hein, ouais, mais... Très. Si, ah, on oui, prend ouais, un petit peu de dégâts. On prend un peu de dégâts, ouais. Bon, écoute, hein, on s'en remet. Hein. Hop, voilà. C'est tour très mal. Très beau tour quand même. Hein. Boum, allez, il y a de la def. Ah, il y en a un qui soigne. Alors, je peux remettre. Alors, je peux stun tout le monde, mais ça sert à rien. Tôt, il faut mettre une. Oh. Oh oui, elle est bonne celle-là, ta carte. Alors, je sais pas si je l'utilise tout de suite, mais. On t'aime, voilà. Vas-y, on t'aime. Gratuit, c'est gratuit. Ah la vache, quoi. Du coup, je m'autorise à faire ça. Ah merde, j'ai déjà 10 cartes, c'est con.
Alors, du coup, on peut faire une zone à 3. On défonce le Puffy Corpse. Je lui mets une marque. Du coup, et je vais lui faire mal. Augmenter. Tu peux pas l'augmenter ? Je peux pas augmenter les marques, non. Je peux faire des dégâts de finisher. Attends, je lui fais très mal. Ah, fais gaffe parce qu'il fait mal aussi. Hein. Comment ? Il te fait mal aussi. Hein. Et tu prends 1 à chaque fois que tu le tues pas, donc. Attends, je vais te mettre un peu de bouclier. Ouais, merci. Voilà, il y a les chèvres là qui vont me défoncer aussi. Hop. Attends, 3, il a combien de marques ? Il a une marque. Ouais. Si t'as ton finisher à 2, tu peux le finir. Très bien. J'ai une marque aléatoire. Après, moi, si je tue des monstres, je peux toujours mettre. Je peux finir celui-là, mais je ferai moins de dégâts après, donc attention, ça mettra 2 d'armure à tout le monde. Il a 5 de défense, le imp là, putain. Et il s'augmente. Je peux enlever les boucliers de tout le monde là, éventuellement, mais bon, c'est pas ouf. L'autre qui va soigner aussi, qui est un peu chiant. Si t'enlèves les boucliers par-dessus, je fais 3 de dégâts. Je mets juste la marque avant pour. Ouais. Au cas où, bon. Ouais, comme ça. Le imp, je peux le finir. Du coup, le imp va vous faire des dégâts, attention. Je peux te mettre un petit bouclier pour que tu prennes pas de dégâts du imp. Hop. Voilà. Bon, ok. Ah, je peux freeze quelqu'un. Lui. Alors, je vais terminer. Attends, laissez-moi les terminer, limite, si possible, parce que comme ça, je. Je vous donne du bouclier, c'est cadeau. Je peux mettre un bouclier à tout le monde ou freeze. Je pensais freeze, la chèvre qui m'attaque à 5. Et ben, attaque là, moi je termine celle qui t'attaque à. Enfin, non, si tu la termines, autant que tu la termines, moi je peux juste freeze. Donc, Non, 4 de dégâts sur celui-là. Bah, si. 3 de dégâts sur celui-là. Je peux terminer celle à 5. Et je pense que là, on est bien blindé là. Ouais, alors est-ce que. En haut à gauche, là, magique. On prend 0 dégâts, vous pouvez vous faire plaisir. Celui d'en haut à gauche, il va se heal. La chèvre en bas à droite, elle va s'améliorer. Lequel des deux je freeze ? Je pense que c'est. Tu peux pas. Si tu fais heal, ça fera rien. Le freeze, de toute façon, c'est que pour l'attaque. Donc. Mais là, on prend plus de dégâts. Hein. Je vous ai bien protégé, donc faites du dégât. Oui, mais de toute façon. J'ai freeze ou j'ai ça, donc, Donc freeze, ouais, plutôt ça plus c'est plus inutile. Ouais. Peut-être freeze elle, comme ça elle fera pas sa charge à 5, quoi. Freeze celle-là Non, ça changera rien. Elle va rester freeze jusqu'à ce qu'elle essaie de faire son... Je vois ce que tu veux dire. Là, ça va, elle va s'améliorer, mais prochaine attaque, elle fera rien. Mais celui-là, comme ça, je fais du dégât pur. Qui fait qu'elle reste une priorité. C'est con, je perds 4 de mana. Ouais, bah on avait le plus gros boost de mana, hein, donc ouais. Ça fait du gros. Non, mais en fait, vous l'avez joué trop tôt, j'ai pas fait gaffe que du coup. J'ai encore un boost de mana. Alors, j'ai ma carte, je peux finir le goat là et booster ma carte. Attends avant de la jouer. Donne en plus 2 d'armure à tous. J'aime bien ça. Je vais mettre une marque sur. Tu peux mettre une marque ou pas Zika? Ouais, je peux améliorer de 2. Bon. Alors vas-y, fais-le, comme ça lui je le one shot. Protéger un peu. Hein. Et ensuite. Tu pourras jouer ta carte. Tu donnes 2 cartes, c'est ça? 2, 4, 6, 7. Ouais. Vas-y. Ok, bah je peux en kick 1. Déjà. Il peut marquer quelqu'un, ça marque. Avant de les kick, je peux faire très mal. Hein. Je peux en mettre 1 à 1 PV. Mais ta marque, on verra sur qui ça va. Okay. Ouais, ça tombait sur lui là-bas. Ah bah alors je peux le finir. Fais gaffe parce que tu seras maudit derrière. Ouais, je peux finir. Est-ce que j'ai mis à 2, tu peux pas finir plutôt? Ouais, je peux finir l'un ou l'autre. J'ai plein d'attaques encore, donc je vais éviter de le finir tout de suite.
Ouais, pareil. Sinon, je peux mettre un lightning qui finit les deux, mais je sers plus à rien après. Ah. Bah, attends, je vais. Au pire, utilise une attaque à 1 sur quelqu'un d'autre, et puis. Ou peut-être. Ouais, tu peux finir. Voilà, déjà, lui, je peux le finir. Bien joué. Et du coup, tu peux finir ces deux-là avec ton lightning. Tac. Ça, c'est cadeau. Je fais. Ouais. Ça. Voilà, et puis. Voilà, vous étiez bien maudit, mais on s'en fout, c'est la fin du tour. Ah oui, non, je peux pas attaquer avec ça. Oh, mais tu peux la claquer, ton amnésia. Oui. Ouais, dommage, ouais. Non, ça sert à rien. Ça marche. Non, l'amnésia, ouais. J'avais. Je sais pas pourquoi. Si, enfin, je pouvais. La gaspiller, mais je pouvais pas la. Ça la fait disparaître de ton jeu, non? On risque plus. Oui, mais du coup, j'avais plus assez de mana pour utiliser la rune derrière, quoi. C'est moi. Oui, bon, de toute façon, après, voilà. D'accord, ça a terminé le tour. Proprement, quoi. Alors. Triftness, des grands bolt. Alors, avec une gemme. Un bolt, c'est quoi déjà bolt? C'est le clou? Bolt, c'est un éclair, non? Take random bolt to hand, ok. Oui. On va tester de toute façon. De toute façon, j'avais qu'une gemme. On va tester. On pourrait se soigner, moi. Trouver des gemmes, c'est bien ça, trouver des gemmes. Essayons de trouver des gemmes. Select one. Ah, sympa ça. Sympathique. C'est une bonne amélioration. Ouais. En légendaire. Ah oui, c'est pas mal. Hop. De toute façon, ce sera. Ah non, niveau 7, pardon. Alors je vais prendre ça, ça c'est très bien au niveau 7. Le truc qui permet de d'obtenir des gemmes ou avoir plus de mana. Ou... Ouais, pareil. Ça permet d'avoir plus... En fait, ça permet d'avoir plus de mana pour le dernier combat. Pour le boss. Deal 3 damage, if it kills the target, you get 1 mana. And all heroes draw a card. Ah bah c'est encore mieux ça. C'est pas mal, ouais. Et c'est que elle toi qui a le mana du coup. Mais on pioche tout sur Oui. Mais c'est quand même pas mal. Hein, oui, je crois que c'est ça. D'accord. Enfin, c'est mieux que la version base de toute façon. On est alors, là. Oh des tiny spectres qui gardent des corps. C'est quoi? Ah, c'est des imps, moi. Ah non, c'est les gloutons. Ouh, ils sont chiants, les gloutons. Ou alors des battling goats. Oh, il va y avoir plusieurs puffy corps ouais. Avec le signe. Ah, bah, de toute façon, là, on va commencer à douiller. Hein. C'est soit ouais. C'est ça, soit c'est des c'est les squelettomanceurs. Hein, donc... De toute façon. Et puis le squelettomanceur, il garde un truc de merde en plus. Ouais. Bah, la bibliothèque ou le ou les corps, donc bon. On a la fin, avoir une nouvelle carte, c'est pas si intéressant. Ouais, non, c'est pas ouf. Prends la bibliothèque dans ce cas-là, à la limite. La bibliothèque, parce que ça nous améliore pour le. Ça prend le triple boss. Ouais. Ah ouais, ils vont être vénères. Hein. Ah, les gloutons, leur. Enrage est très 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 dangereux si tu fais pas gaffe. Enrage, ah, plus 2, tous les soins, à chaque fois qu'il y a des dommages. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Je me suis soigné de 5. Hop, je vous mets une petite camaraderie. Ah, alors j'ai une Deathmark. Ouh, c'est quoi celui-là, j'ai jamais vu. Tiny Spectre. Delusion, attack. Add the Delusion cards to draw pile. Ça fait quoi la Delusion? Alors je peux avoir mon clou qui marque d'accord. Le plus fort. Delusion, c'est une carte. Donc celui qui est tout en haut là. Le Tiny Spectre là.
Ouais, le Titan Inspector. Delusion, c'est une carte qui va se rajouter dans notre deck et qui va le pourrir, en fait. Ok. Ah, ici, on a un prêtre corrompu qui donne plus 1 de force à tous les zombies. Où ça? Ouais, le... Pas reconnu, pas vu. Et j'imagine que dans l'eau, ça fait partie des... Il y a les Puffy Corps. Ah bah oui, clairement, ouais. Je pense que c'est des zombies, il n'y a pas trop de doute. Est-ce que t'as de quoi améliorer une marque ou pas? J'en ai posé une, mais non, j'ai pas de quoi améliorer pour le moment. Améliorer. Mais j'ai de quoi piocher. Et avoir un peu de mana aussi. Alors attends, je peux piocher 4 cartes et 5-7 de mana. Ouais, un peu attends, de mana par ça contre, c'est. Pas mal, ouais. Dans ce cas-là, laisse-nous jouer avant qu'on utilise quelques cartes. Je vais peut-être utiliser ça quand même. Parce que du coup, bah, je vais activer ça. Je vais. Alors, moi je peux faire. Il faudrait que j'ai de la stamina pour que ça soit utile, mais. Ouais, sur. Est-ce merde, qu'on commence par. Bon bah tant pis. De toute façon, est-ce tu vas donner du mana. Par charger le Puffy Corps qui fait des dégâts de zone. Légite. Ouais, mais il faudrait se protéger éventuellement. Alors, je vais lui mettre une marque déjà. Tac. Oui, en effet, il faut se protéger. Tu vas nous donner. Après, je peux les geler tout cela aussi. Enfin, je peux geler un groupe. Hop, attends. Je vais. Merde, je veux bien la mana, s'il vous plaît. Il paraît qu'il y en a. Il paraît qu'il y en a qui. Alors, 5 ou 2. celle-là. Commence. Ah oui, c'est 5. Oh putain. C'est tellement. Doucement, doucement. Faut pas en donner trop vite. Ouais, ouais, j'ai pas redonné tout de suite. Il arrive plus à réfléchir, Gelden. Je peux donner 4 de blocs à tout le monde. Bon, le Puffy Corps. Ça peut être pas mal pour le Puffy Corps, donner 4 de. Parce que du coup, moi, je peux faire une gros dégât de zone, buter celui qui fait des dégâts de zone, du coup. Ouais. Mais je vais prendre des dégâts avec les autres. Donc si tu me donnes un peu de protection, ça m'irait bien. Ouais, tu vas te prendre 2 de dégâts. Ouais. Je vais me prendre plus, parce que je vais prendre 1, 2, 3 de dégâts, parce qu'il y a le priest aussi qui fait mal. Oui, mais... Ah oui, lui aussi, il a corrompu. Ah, ouais. Donc si tu donnes 4, c'est parfait. Ouais. Ouais, j'ai ça. Si en plus tu peux geler ceux qui sont en face de toi pour qu'ils t'attaquent pas, je pense qu'on non, est mais bien. Non, c'est bien. Là, c'est bien, tu fais le taf. Comme ça, je dirais... Ouh. Et ben voilà, on prend plus de dégâts. Alors, est-ce que je peux tuer quelqu'un? Il y a personne à 1. Est-ce que Attends, refreeze. J'ai plein de dégâts que je peux faire encore. Je peux essayer de taper un peu là. J'ai encore celle-là aussi. Hein. Une attaque de zone là, cadeau. Tac. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on tue ensuite? Moi j'ai plein de petites attaques. Alors attends, moi ce que je vais faire c'est ça. Attends, je le finis lui. Si je les tue, ça vous donne du bouclier. Ouais, mais on s'en fout là le bouclier. Non, c'est bien le bouclier. Et... Non, ça se garde pas d'une fois sur l'autre. C'est bien le bouclier. Tu es un guerrier ou pas? Merde. Et paf le signe. Non, bah, je vais tuer l'autre Puffy Corps, comme ça sera fait. Tac. Et. Ouais, que 1. Tac. Voilà, ça c'est fait. Et merci Kenton pour ce sel. Ah, il est sur ton chat, Kenton. 100 bits de sel, ouais, il vient de passer. Toi, tu peux faire un. Tu peux faire un dégât et donner 2 cartes et 2 de mana. Je vais t'en foutre un à 1. Voilà, hop. Voilà. Tac. Je peux refaire un dégât, mais je peux mettre une marque aussi. Bah, de toute façon, utilise ta carte équilibrium. Ouais. Ouais. Ah, je peux tuer quelqu'un qui a 3. Oh, je peux tuer quelqu'un qui a 3 et améliorer ma fais carte gaffe, du coup. Fais gaffe que tu fais moins 1 de dégâts, Lucine. Ah oui, je fais moins 1 de dégâts, zut. Oh, les roses draw et cartes. Ah, Kenton qui vient donner des bits pour éviter les jaloux. Bah, merci beaucoup, Kenton. petite dose de sel. Je peux faire 4 de dégâts. Si tu mets une marque, ça peut faire 6 de dégâts.
voire... Ouais, mais moi, la marque, c'est aléatoire. Ouais, bah écoute, je peux faire 8 de dégâts si ça tombe bien. Ah bah, c'est pas mal, alors... ça, parce que eux, en plus, il va s'avancer, et ben... Du coup, je fais ça pour aider pour le prochain tour, vu que okay. Je fais pas de dégâts, okay. Ça sert à rien d'attaquer. Tac, voilà. Bon, j'ai fini mon tour, là. Pareil. Je peux faire ça. Ça fait 3 de dégâts en zone. Ou alors, c'est de mon côté. Ouais, bah sur ceux qui sont en face de toi, parce qu'au prochain tour, ils vont s'exciter, donc ça fait 10 minutes, tant qu'à faire. Hein. On a pas mal nettoyé déjà, là, pour un premier tour, je trouve que c'est plutôt propre. Hein. Ouais. On commence à avoir des decks un peu sympatoches. Et la marque, elle est pas chez moi, je peux pas terminer les gens, ni à 3, ni à 1 PV. Ah ouais, c'est un peu con. Ouais, bah 3 de dégâts, c'est toujours à prendre. T'aurais dû en foutre un à 3, non, t'aurais dû mettre la marque de mon côté pour terminer. Ah, mais moi, ah oui! La comète, non, enfin, mettre la comète peut-être. Ouais, ah oui, t'aurais pu terminer le Looney Ghost, ouais. Ouais. Oh, c'est pas très grave, franchement, tu vas pas finir ton tour, tu fais 3 de dégâts sur quelqu'un, ça sera utile quoi. Autrement, je peux freeze, mais. Moi, je fais 5 du coup. Fais sur le bouton qui va se rapprocher de moi. Ouais, celui qui a. Celui qui a été énervé quoi. Voilà, histoire qu'on soit sûr de le terminer au prochain tour. J'aime bien les petites animations. Ah, c'est sympa les petites animations. Là où tous les ennemis qui bougent et tout là. Ah, j'ai un kick. Très bien. Bon, j'ai un short sword. Dégage. Et c'est tout, en gros. Je peux mettre des armures et mettre une attaque. J'en laisse un à un. Ouais. Oui. Alors j'ai un truc à deux surtout. Ah. Non, ça on s'en fout. 1, 2, 3, 4. Moi je peux faire 4 de dégâts à quelqu'un ou mettre des boucliers. Vu que je vais me prendre 12, peut-être que mettre des boucliers serait intéressant. Qu'est-ce qui me fait 7 de dégâts là? Il y a un qui te fait tous les dégâts de quoi là? Il est où? Non, t'en as deux qui font 6 de ton côté, c'est tout. Ah oui, les deux qui t'attaquent font 6 chacun. Ah, j'avais pas vu le 6. Ah merde. Bah je peux le tuer. Je vais faire Ouais, bah moi je peux faire 4 de dégâts genre sur lui pour le finir éventuellement mais tac. Bah si tu fais 4, moi je peux finir avec un 2 gratuit. Mais après tu seras maudit quoi, donc à faire à la fin. Je peux le taper, voilà. Vous pouvez pas redonner de mana tous les deux? Non. Non, je peux mettre des boucliers sur ceux qui n'auront pas été gérés à la fin du tour quoi. Est-ce que je termine celui qui a sa marque ou pas? Ah oui, Tu veux. Tu peux pas, t'as pas ton attaque. Ah, moi je pensais finir lui. D'accord, bon, bah, du coup. Mais enfin, n'importe quoi, en soi c'est pareil. Ça me permet de faire 2 sur lui. Et je tue celui qui m'attaque. Et j'ai fini mon tour. 1, 2, 3. Je vais mettre pas des boucliers pour protéger ce qui reste à la fin. Tac. Ah, si je peux faire une attaque à 3 qui devient une attaque à 2. Ouais, t'aurais dû faire à la fin, le finir peut-être. Ouais, mais j'avais. Vu que je pioche des cartes, c'est toujours compliqué de savoir. Ah, bah oui, ouais. Bah, tu peux. Ah, les bolts, c'est les attaques qui me permettent de réattaquer, justement. Et du coup, mon deuxième bonus, là, dans la barre, c'est une carte que j'ai qui me permet de piocher des bolts chaque fois que je tue, donc. Ok. Ouais, ok. J'avais pas compris. Du coup, je peux attaquer lui faire 2 de dégâts. Le finir en lui faisant 2 de dégâts. Et du coup, on a avoir toutes mes cartes amnésie en main. Et du coup, je peux faire ça pour nous protéger tous. Ouais, moi je peux gagner 2 blocs et piocher. Voilà. Moi j'ai plus de mana, donc je peux plus faire. J'en ai pas redonné un. Je peux te mettre d'autres protections éventuellement, Zikino, pour que tu Ouais, je veux bien, parce que moi je peux plus rien faire là. Comme ça, il prendra pas de dégâts. Ouais, je fais 2 de dégâts à quelqu'un, mais.
Après les shorts, les pantalons. Merci Canton. Ça va être pantalon. Plutôt pantalon. J'ai compris. Ah, un shot des délugiennes. Alors. Comment ça se passe ? Je peux donner une marque à celui qui tape le plus fort et après l'augmenter. Je peux faire un peu de dégâts de zone, moi. Je sais pas sur qui ça va tomber. Si, ça va tomber sur lui, là. Bah, c'est pas mal. Ah non, il attaque pas. Ah si, c'est pas parce qu'il attaque. Il va summon. Il invoque. Oui, mais je pensais que ça mettait sur celui qui attaquait le plus fort, mais comme il attaquait pas. Mais en fait, non, c'est. Attends, bah, ceci dit, je peux le tuer cash. Je peux le tuer cash. Hein. Tu le tues cash sans que je j'améliore. Ok. Ouais, après, je peux le finir. Sinon. Ça, je peux tuer. Il avait une défense, bon, peut-être. Il avait du bloc. J'ai pas fait gaffe. Du coup. Alors, du coup, je peux remettre une marque au pif. Je mets 2 de dégâts si je tue des ennemis. Donc, je peux tuer par exemple celui-là pour mettre un peu d'armure. Le Battering Goat. Voilà, comme ça protège un chouille déjà. Moi, je vais tuer celui-là. Je peux faire une zone ici, peut-être, mais bon, ça tuera personne. Ouais. Ah, si, je peux faire une zone ici et après en profiter pour tuer des autres ennemis. Bah attends, bah je peux les finir du coup. Je vais se faire, je verrai ce qui reste. Comme ça, ça met de la défense. Je crois que ça m'a pas pioché ma carte. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, on a fait en même temps. Je peux freeze lui, je suppose. Ouais, bah du coup, ouais, on sera bien. Et je tue. Là, on est bien. Et là, soit je mets une marque, soit je... Ouais, j'ai une attaque gratuite, quoi. Mais non, j'aurais pas d'attaque gratuite. Si, alors, si... Si, deux. Si. Si, tu peux mettre quelqu'un à deux, ouais. Voilà. Bon, bah alors, il y avait pas besoin de le freeze. Là, je peux mettre un bouclier ou une marque. Vous avez plus rien. Une marque, ouais. Une marque, ça prépare à la suite. Très bien. Sur lui, c'est très bien. Nickel. Hop. Parce qu'il prend 4, du coup. Il va juste falloir me défendre un peu parce que tous les gros sont chez moi. Oui, bah t'inquiète. On fera ce qu'il faut. Après, je me souviens très bien que t'as chouiné quand je t'ai mis du bouclier. Oui. Alors déjà, il fait quoi, camaraderie. Hop. Moi je peux kick. Alors si je fais 3 de dommages et que je tue, je peux améliorer mon truc. Ou alors je prends une stamina et je peux faire 2 x 5 de dégâts. C'est pas mal aussi ça. Tiens bah tu vas pouvoir améliorer ton truc. Et tu fais 3 de dégâts, c'est ça que t'as dit? Je fais 3 de dégâts, mais je peux faire aussi 2 x 5 là. Non mais pour tuer il faut qu'il reste... Oui mais je peux faire 2 x 5, ce qui est quand même un peu plus intéressant Fait sur le Skeletoman ça. Tu crois que c'est intéressant d'améliorer cette carte maintenant? Bah pourquoi pas. Hein. C'est laquelle? Ouais c'est un peu tard. C'est un peu tard. Ah oui c'est que... D'accord. C'est que t'as les 2 Heavy Swords. J'avais les 2 Heavy Swords sinon mais bon c'est pas grave. Hein. On prend pas de dégâts donc au moins pioche... C'est cadeau. Hein. Ah si, je peux faire piocher des cartes à tout le monde, mais moi ça me fait pas gagner de mana. Maintenant. Attends. Justement, je préviens. Parce que t'as plus de 10 cartes, sérieux, là, Gelden? Non, ça va. En vrai, ça va. J'en ai 2, 4, 6. Ah oui, quand même, arrête, t'as des sacrés. En fait, si tu veux, Masteries, ça me donne 4 cartes au début de chaque tour. Ah ouais. 4 cartes à 0. Donc ouais, j'ai toutes mes amnésies, du coup je peux plus utiliser ma zone de glace. Je vais faire un petit peu. Mais il faut les utiliser tes amnésies hein, pour les virer. Oui mais je viens de les piocher là. Ah, oui. J'en ai viré une au début du tour en me disant peut-être que je vais utiliser l'anneau de glace et en fait non. Ouais, je peux faire 5 de dégâts sur un monstre. Fais sur le gros qui se rapproche. Celui à 20 là. Et moi, je...
Non, sur celui-là. Sur celui-là. Attends, je vais mettre une marque d'abord. Voilà. Et puis ensuite, vas-y, enjoy. Est-ce que Zikino, t'as moyen de lui faire des dégâts avant, peut-être? Parce que si je le tue, je vous donne un petit peu de bois, enfin les boucliers. Ouais, tu le tueras pas, je pense. Hein. On s'en fout des boucliers. Moi, je vais. Y a pas de dégâts de toute façon, donc. Tac. Je fais ça. Et ça. Et ça. Ah, quand même, hein. Vas-y. Ah, je vais le tuer, c'est bon. Je fais ça. Et je fais. Vas-y. Enjoy. Voilà. Alors, moi, je peux encore Magic Bolt quelqu'un. Et je vais faire ça. C'est bon, t'as plus rien. Ouais, je fais. Alors, je sais pas si je me débarrasse. Comment ça se passe? Tu comptes tous les tuer? Je sais pas si je me débarrasse de mes amnésies ou si. Ouais, non, il y a pas besoin de ça. C'est chiant. C'est chiant. Dropler les amnésies, là. On n'a pas besoin de DPS. Après, je peux faire 3 de dégâts. Mais ouais. Ah oui. Alors, sauf que si tu fais 3 de dégâts, tu vas booster le bouton. Ouais. Ok, ça va se terminer. Hop. Tu peux mettre une marque ou pas? Non. Dommage. Moi non plus. Ah mince. Bon, on va le défoncer. Top. Ah merde, il a proximité. J'ai pas fait gaffe. Bon. Tac. Go, de toute façon, on finira au prochain tour, hein. Y a pas trop de questions. Ouais. Non, mais j'attendais de voir ses dégâts. 21 de dégâts, il faisait sinon. Ça piquait. Il y en a fait plus. Marque. Kiblou. Ah, là je peux mettre une marque. Et si la cible est proche, rajouter une marque de plus. Ça peut être pas mal ça. Rajouter un petit peu de possibilités dans les marques. Non, Ground Breaker. Oh, c'est... Non, c'est con. T'aurais dû prendre Grand Mec. J'en ai déjà. Ouais, mais deux c'est mieux qu'un. Au mieux, prendre le Real Allowed, ça non, peut être intéressant. C'était pas une bonne idée ça, le signe. C'était pas ça qu'il fallait faire. De quoi? Le plus un mana point in the next battle, ah, c'était oui. Ça qu'il fallait. C'est vrai que c'était pas mal. Mais on peut le prendre au mieux, non? Non, c'est au mieux, au mieux, au mieux. Oui, oui, on en a deux, mais. Oui, moi j'ai fait deux fois Explore en fait. Moi j'ai fait un. Ah oui. Je vais faire un Absorber l'énergie, un Transcribe. Bah, je vais prendre un Read Aloud sinon. Hein. Ouais. Ça vous avez plus de mana pour la prochaine bataille. Je peux en faire que deux moi. Je peux échanger, je peux avoir un Golden Ticket, mais. C'est pas très utile. À gauche il y a le rituel. Quoi. Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai rituel. Oh, le Golden Ticket il sert à rien. Il sert à rien. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. C'est quoi ça? On tire tous une carte de plus. Je donne plus de mana pour la prochaine bataille. Moi j'ai une question, s'il y a des gens qui savent, mais je pense pas. Il y a la rune Star à gauche. Tu gagnes 1 d'extra mana quand tu fight des boss. Mais là on a 3 boss, est-ce que ça veut dire plus 3 de mana? Peut-être. Peut-être, ouais. Bah, je vais tester alors. Vous voulez du mana ou des cartes? Moi j'ai mana, tout ce qu'il me faudra en mana, je pense. Ah. Et en cartes. Moi j'ai pas de bonus de mana donc je veux bien du mana. Alors on va voir qui. Allez. Dévoreur. Et potentiellement plus 3 de mana au prochain tour. En plus c'est par tour pour la prochaine, c'est pour toute la bataille du coup. C'est, bah, c'est normalement. Que au premier tour. Non, c'est pour toute la bataille. Bah, il faut valider. Hein. Pardon. J'étais en train de regarder ce que vous aviez pris. Moi aussi, je regarde. Un golem, un Skull Spook. Est-ce que c'est les trois mêmes que ceux qu'on a eu mercredi? Non, c'est pas les trois mêmes. Hein. Si. Ah ouais. Si, ça ressemble. Si, c'est les trois mêmes. Alors le Skull Spook est très chiant parce que toutes les cartes bleues coûtent un point de plus. Ouais, donc celui qui est à droite là. C'est lui qu'il faut défoncer en premier. Le golem il fait que les blocs restent.
Ouais, ce qui est, peut être assez chiant, mais le plus, celui à défoncer en premier, c'est le Skullspook. J'ai pas de, ouais, lui. J'ai pas de marque. Je commence avec 5 de mana, ça fait du bien. Ou avec 6. Ah, et le dévoreur, il bouffe les ennemis qui ont moins de 5 de vie. Donc c'est dès qu'on en blesse, il va les bouffer. Ok, très bien. Alors j'ai celle-là, mais celui-là, il vise forcément le boss d'armure, là, lui. Normal. Ouais, après, voilà. Ouais, mais c'est vraiment le Skull Spook. Enfin, tu viens, on a tous des bonus de mana, donc ça compense un peu. Mais, mais ça fait sinon, pas j'ai ça. Ah. Mais vu qu'il n'y a pour le moment aucun ennemi marqué, c'est pour ça que je pensais marquer le boss en bas à gauche et tant pis, et après augmenter ses marques. Quoi. Ouais. C'est un peu chiant quand même. Ouais, bah là, ouais, pour le coup. Et donc il faut faire gaffe, le dévoreur, il faut éviter de blesser les petites merdes. Ouais. Parce que sinon, le dévoreur va les bouffer et il va devenir de plus en plus fort. Ou alors, faut les tuer direct, quoi. Voilà, il faut les tuer à la fin, voilà, à la fin du tour. Et moi, j'ai que la carte d'attaque de merde. Ça. Donc, moi, j'ai deux Magic Bolt qui font un dégât et permettent de piocher. C'est chiant qu'on puisse pas poser de marque là. Ouais, et bah on peut, mais aléatoirement. Faire, je peux vous faire piocher pour un de mana, donc limite. Ah oui, si, sinon tu mets aléatoirement. Ouais, c'est... Enfin, soit je mets aléatoirement, soit je vise le boss en bas à gauche, puis j'améliore ses marques. Mais... Ah, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se focus dessus direct, c'est pas ouf du coup. Ouais. Je peux vous faire piocher une carte, hein, on peut avoir une chance. Hein. Non, ouais, ça va. Ah oui. Après, ça te coûte un de mana au lieu de zéro, mais oui. Le truc, c'est que moi, j'ai quand même beaucoup de cartes dans ma main, enfin dans mon deck. Donc, oui. J'ai 2 chances sur 14 de choper ma marque. Bah, moi aussi, je peux choper la marque, du coup. Mais j'ai 1 chance sur 14. Oui, sauf que toi, c'est à proximité. C'est uniquement les adversaires Nier. Non, je peux mettre ma marque sur n'importe qui, et s'il est à proximité, il gagne une marque. Mais okay. Normalement, je peux mettre sur n'importe mieux. Qui. C'est mieux. Bah, écoute, vas-y. Bah, non, non écoutez, échec. Ouais, j'ai le harpon. Bon, ben. Moi, de toute façon. J'ai de quoi finir des gens. Donc. Bah, et moi, de faire, quoi glacer une zone. Donc, je pense que glacer une zone, ce serait celle-là la oui, mieux, en tout à droite. Oui, ça, c'est sûr. Ça permet de mitiger un peu. Bloquer les dégâts de zone. Sinon, moi, je peux faire des dégâts aux petits fantômes pour que quelqu'un les finisse. Mais... Le dévoreur va dévorer ensuite. Mais ouais. Si on les finit pas, le dévoreur va dévorer. Ouais. Alors, lui, alors, je peux le finir, mais du coup... Ouais, je peux finir le Puffy Corpse. Mais du coup... Oui. Bah, ou si tu le laisses bah, à 1 ou 3 PV... Je fais ça, hein. Je fais des dégâts là, et puis du coup... Vous attendez. Vous les finissez. Ouais. Vas-y. Alors, attends. Parce avec le 3, ouais. Ouais. Faites gaffe que c'est un Looney Ghost hein, qui reste. Donc... Si vous le jouez, vous lui. Perdez. Ouais. Donc, mais c'est... ouais, faut le faire. Soit faut le buter, soit on. Bah, ce que je peux prendre là, c'est. Je peux le finir, moi. Et je peux mettre mm-hmm. deux de blocs à tout le monde, du coup, au passage. Bah, ouais. Enfin, sauf qu'il y a que Zikino qui prend. Mais... Bah, du coup, oui, mais. Enfin, au moins, ça me permet d'activer le bonus et il sera fait pour la suite, okay. Quoi. Mais... Ouais. Au moins, on nettoie un peu, quoi. 4, 5, 1. Je peux faire 3 dégâts à lui. Mets la marque sur le gros. Je l'ai mis, elle est tombée là. Sur le boss dévoreur. Ah, tu l'as mise au hasard. Oh bah, c'est pas si mal. Bon, bah écoute. Mais ouais. J'aimerais bien qu'on le finisse lui pour éviter qu'il prenne des dégâts, mais. 13. Hein. Ouais, t'aurais pu buter le Lonigos pour qu'il se prenne pas de dégâts. Non, parce que je fais des. Des... Bon, bah, cela dit, un boss au premier tour, c'est propre. All Bolts Guard get plus 1 damage pour 3 tours. Ah. Du coup, lui, il fait 2 de dégâts au c'est lieu vrai de 1. Il reste un max de mana aussi. Pourquoi est-ce que je fais. Je peux faire. Non, je peux pas. Je peux plus faire Equilibrium. Ah, tiens, j'ai chopé la marque.
Ça c'est fait. Ça c'est pas mal ça. Bon, un tour. Moi, à moins que tu puisses redonner. Tu peux redonner du... de la mana ou pas? Non, non, je peux pas. Bon. Soit ouais, j'attaque deux dégâts sur lui. Lui, mais il sert à rien. Ouais. Bon, tu vas prendre un petit peu de dégâts. Ça va. Pourquoi je suis à 26 PV max par contre? Ça, j'ai pas suivi. Bah, t'as dû prendre un bonus à un moment. Ouais, ouais, j'ai pas fait gaffe que ça coûtait des PV max. Alors, du coup. Alors. Non, t'as pas gagné suffisamment de mana là. Ça te donne que un de mana pour le boss fight. Pas la... Ouais, 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 j'ai le. C'est marqué là, mon étoile en bas au milieu. Un extra boss, un extra mana. Alors du coup, ah j'ai le truc qui permet de faire 3 de dommages et de s'améliorer. Là ça peut peut-être être rentable par contre. Bon il faut défoncer le skull. Il faut... Je peux lui rajouter une marque, ça me coûte 2. Si quelqu'un descend à l'Uni Ghost à 3, je peux... Voilà, parfait, bah écoute. Sauf que t'es... Ouais. Bon. Je remarque le Lune Ghost. J'ai fini mon tour. Tac, tac. Alors moi je peux. Ah. C'est ballot. Si, si, ça marche bien, je peux quand même. Fais gaffe, tu seras. Ah, c'est des ghosts ? Oui. Ouais, c'est des Lune Ghosts. Ah. Il est où le troisième point? Est-ce qu'il y a... Ah, il y a un ennemi que je vois pas en dessous, d'accord, c'est pour ça. Ah oui, en effet. Là, ça peut le faire. Ouais, tu vas faire mal, non? Ouais. Tu fais un de moins. Là, je ferai un de moins. Je fais déjà un de moins. Non, je ferai un de moins à ce moment-là. On voit plus parce que. Non, il fait pas un de moins. Il a pris. C'était un tiny. Encore. C'était un tiny, donc il a pris un désillusion. Ah, c'était un tiny. Oh, bah je sais pas si je l'ai pris le désillusion, mais. Non, c'est son attaque qui lui colle des. Des ah, pardon. Je pensais que c'était donc. Aussi. Soit je peux buter lui, mais je pense que c'est plus intéressant de réussir à buter ces deux-là. Vous voulez pas défoncer le... Bon, sinon, on terminera par lui, mais... Maintenant, t'es cursed. Oui, mais... voilà. Ah ouais, je peux cold arm celui-ci. Freeze, ouais, le boss, ouais. Ça, il attaque je vois... pas. Là, j'ai du reflet sur l'écran, donc... Et par contre, j'ai plus de mana. Bon, on est pas aussi. Mal, là. Franchement. Mais on est... C'est assez propre. Ouais, franchement, c'est bien. Plutôt pas trop mal. Ah. La vengeance de Gaelden. J'ai plein de copains, moi. Oh, mais il attaque même pas. Il va donner 3 blocs à tous les monstres. Ok. Ah, moi. Ah, si, je peux faire quand même un peu de dégâts au mec du fond parce que ça fait 3. Tu peux améliorer les marques ou pas? Pas pour le moment. Ah. Oh, j'ai pioché la carte qui fait 8 de dégâts du coup. Je peux refaire piocher deux cartes, mais personnellement ça me change rien. Mais je peux faire piocher 2. Je peux freeze aussi. Je peux lui faire très mal au boss. Termine-le. Vas-y. Voilà, je le termine, ouais. Ça améliore encore ma carte. Voilà. Voilà, et du coup je peux vous faire piocher. Mais je peux le kick. Tac. Moi je peux te rouspit. Ah, c'est avec ma 4. Tiens, je t'en laisse un. Il y a des gens à 1. Ah, il y a des gens là-haut. Mmh. Oui, il y a des gens là-haut. Mmh. Est-ce que j'en freeze un? Non. Et il y en a un à 2. Ouais, alors là, je fais du dégât là. Hein. J'ai plus de cartes, mais il me reste 3 de mana. Ah, je peux pas vous faire piocher. Tu peux terminer celui à 2 tout en haut. Ouais. Ouais, comme ça, ça diminue aussi le DPS. Hein. Une fois qu'il restera plus que le gros tas, on va le défoncer. C'est ça. Plus il a une marque. Alors je sais pas si je fais ça.
Bah, termine le Looney Ghost. Ouais, termine le. Est-ce que tu termines Non, t'as un Cursed. Non, je termine pas. Ah oui. Là, je le termine, je crois. Alors que tu fais moins de dégâts. Ah oui, et après, t'as un Magic Bolt. Et je peux envoyer ça encore. Ah bah oui. Ah bah ouais, une petite marque. Que je viens de piocher. Il y a bon. Bah go. Hein. Bah, voilà. Allez. On va le dépouiller, je pense. Hein. Adieu, le gros. Voilà. Tiens, je peux augmenter la marque. Moi aussi. Il a combien? 8. Moi aussi. Oh. Vous faites je fais. Boum, boum, boum. C'est mort. Ah là là, bon. Il a été trop vite. J'ai même pas eu le temps d'attaquer. Scandale. Monsieur, allez, vous a volé le kill, quoi. Ouais. Alors, on a débloqué. Ah, j'ai débloqué un émote. Trop bien. Ouais. Voice like, come on. Charge. Moi, j'ai utilisé nice. 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 Très utile. The dead seems to be particularly lovely today. Ah, oh. On peut pas utiliser les starting artifacts pour l'instant. Dommage. Eh oui. Pour la démo, ouais. Oh, j'ai débloqué une carte rare. Il fait les PV légendaires. Oh, tuer tous les monstres qui ont 10 PV ou moins dans un medium radius, quoi. Ouf. Pour deux. Oui, j'avais. Il n'y a pas d'effet négatif. Seulement pour deux en plus, quoi. C'est fat. Bah moi j'ai le Bolt Hell qui est la carte légendaire Bolt du coup. Deal 3 de dommage et si ça tue la cible, me soigne de 3 et tous les héros gagnent 1 de mana et piochent une carte. Ah je l'ai pas vu le... Ouais. Ah oh, il y a un canard légendaire sur l'écran de fin quoi. Il y a un Run History. On a mis 10 minutes de plus que sur la partie de mercredi. Ah c'est le live ça. Ouais, c'est le live. Ouais. Bon, je dois vous laisser, les gars. Ouais, grand merci à tous. Ouais, on va arrêter la VOD là, du coup, aussi. Puis je pense le live dans la foulée. Mais ouais, merci beaucoup pour la session. C'était très cool. Fort sympathique. Ouais, je vais dire au revoir à la VOD dans le chat ou vocalement, n'hésitez pas. Bisous tout le monde. Merci beaucoup. A plus, ciao, les gens.